Bon, c'est sucré. Bonjour mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On va encore causer ce matin. Nous allons parler de la propriété de la femme. La propriété de la femme. On parlera de la femme ronde en particulier. La femme ronde comme moi-même, non. Vous savez que la propriété de la femme ronde est tellement difficile. Très difficile même. Vous savez que nous, là, les femmes fortes, là, les apouchous, comme on nous appelle généralement, si tu ne sais pas te laver, moi, c'est le problème. C'est-à-dire, quand tu passes, je n'ai pas envie de faire le geste. En tout cas, je fais. Ça nous édifie. Quand tu passes, arrête les arrêts. D'autres, même quand elles font les allers-retours là, si elles transpirent, comme d'autres femmes savent souvent à l'homme mépriser les autres, tu vois, c'est bon. Quoi? Puis, si elle ne sait pas se laver, c'est là où c'est donc catastrophique seulement. Il y a des petites astuces. Quand on vous dit, on vous parle, vous croyez que c'est. On veut tellement exagérer. Non! Moi, je prends l'exemple sur moi-même. Moi-même, Zakoula. Moi, je me vante pour ça. Oui, pour ceux-là qui me côtoient, qui sont avec moi au quotidien. Parfois, ils me demandent souvent que. Moi, j'aime ma petite fille. Ouais, je vais un peu vanter son nom aujourd'hui. Elle me dit souvent, quand elle me regarde, elle me dit, ma petite collègue, là, elle me dit, ouais, c'est madame ma soeur Marianne. Elle me dit souvent, la maman. Je ne sais pas si à ton âge, si un jour j'ai ton âge, je serai comme toi. Ah, maman, tu es propre. Tu es ceci. Tu es cela. Je dis souvent que ma chérie, tu peux bien. Ça dépend de comment est-ce que tu entretiens ton corps. Eh oui. Quand ça passe, même si je me suis sortie de chez moi à 6 heures et que je rentre le lendemain à 6 heures, tu ne peux jamais arrêter les narines. Qui me met au défi? Qui me met au défi? Je suis sûre de moi. Eh oui. Je suis d'avoir une belle femme. Ça, je m'en vante. La personne qui ne veut pas tomber dans le lac, je m'en fous. Parce que vous connaissez déjà mon âge. Je n'ai pas besoin de vous donner mon âge. Vous connaissez mon âge. Ce n'est pas évident de trouver une femme de mon âge comme je suis là. Ça, c'est parce que je sais faire l'entretien de mon corps. Il ne faut pas avoir les millions pour s'entretenir. Maman, avec 1000 francs, tu entretiens ton corps. On nous a sorti les petits déodorants maintenant de 500, des machins là. Nous avons le citron. Les femmes fortes rondes là. Le citron avec le bicarbonate. Dès que tu arrives chez toi le matin, parce qu'il y a des femmes que dès qu'elles se lèvent le matin, mais même il y en a d'autres même pour brosser les dents, c'est tout un problème pour elles. C'est-à-dire, tu descends du lit, tu es déjà au salon, tu es à la cuisine, et c'est parti comme ça pour la journée. Aïe! Je ne sais pas si vous-même, quand vous vous asseyez souvent comme ça là, quand tu ouvres un peu tes pieds là, tu fais comme ça. Ça ne te dit même pas que va te laver. Pour nous souiller. Et j'aime pas quand les hommes nous saquent. Parce que les hommes savent souvent nous saquer. Ça me tensionne que quand ils pensent qu'il y a des petites astuces. Pour nous, les femmes rondes, là, je venais de parler du citron. Je venais de parler de bicarbonate. C'est parce que je ne peux pas montrer mon corps, mes aisselles, c'est privé. C'est qu'elle veut vous montrer mes aisselles, comment mes aisselles sont propres. Comment mes entrecuisses sont propres. Pas d'odeur. Tout ça, à moins de 1000 francs. À moins de 1000 francs. Avant de te laver, tu prends ton bicarbonate, tu verses là, tu tournes avec un peu de citron, tu frottes partout, tu frottes ici, tu frottes là, tu frottes par derrière comme ça, là, tu restes avec même 5 minutes avant d'aller te rincer. On appelle, il y a une petite herbe là qui marche partout au sol comme ça, là, on appelle ça le boilsi. Le boilsi, tu finis de tourner ça comme ça, là, tu prends le petit piment, on vend encore ça dans les marchés. Le petit piment, on appelle souvent ça un tangzuru. Voilà, tu prends le verre, tu coupes comme ça, tu mets un peu au feu, ça chauffe. Tu tournes avec ça comme ça, ma maman, vendre. Tu peux dire que par semaine, tu te purges même 3 fois. Tu enlèves les odeurs dans ton ventre, parce que généralement, il y en a d'autres que c'est dans le ventre. Il y a d'autres que c'est dans le ventre. En fait, je voudrais prendre, j'ai voulu prendre en 3, mais je préfère prendre en 5. Je parle de tout ça une seule fois. Parce que je voulais parler des entrecuisses, je voulais parler de la mauvaise haleine, je prends tout ça. Donc la mauvaise haleine là, c'est dans le ventre.
Une fille, dès qu'elle ouvre seulement sa bouche comme ça, et comme nous les femmes, nous aimons aussi que quand tu es avec ton gars, avec tes copines, tu veux seulement ouvrir ta bouche devant elle, c'est qui sort là? Le WC est mieux. Pourquoi? Parce que dedans là, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, comme je vous ai dit, le voile, c'est là, tu tournes ça comme ça là, avec les petits piments, tu m'envoies ça dans ton ventre là-bas. Tu tournes, tu te couches, tu te baisses comme ça, tu te relèves, tu envoies les pieds en l'air, tu reviens. Quand tu parles, tout ça part. Tout ça part. Une femme que tu marches, tu ne peux pas lever le bras comme ça. Dès que tu lèves le bras comme ça, si c'est dans le taxi, quelqu'un descend même avant la destination. Voilà les petites astuces. Ce n'est rien, je vous ai dit qu'il y a le citron. Il y a d'autres, mais l'autre là, c'est vous m'appelez en email. Elle va venir vous donner tous mes secrets ici gratuits. Moi, elle ne donne pas mes secrets gratuits. Donc, je vous montre seulement le chemin. Vous voyez, non. Maintenant, à vous de creuser. Je vous ai dit qu'il y a le citron, il y a le bicarbonate, il y a le boisé, il y a le petit piment que j'ai parlé là, le vert. Ne partez pas prendre le rouge ou le jaune. Prenez le vert, c'est le petit vert là qui est tellement efficace. Quand vous finissez maintenant là, hein? Comme maman m'a dit aujourd'hui, quand tu sors là, il faut souvent aussi savoir s'habiller. Les habits sont versés maintenant. Une femme qui ne s'habille pas maintenant, c'est qu'elle veut. Ou alors c'est la paresse. Parce qu'on ne sait pas le caillou qui doit tuer l'oiseau. Quand tu sors là, tu dois être king, pim, pam. Tu peux sortir là, quelqu'un s'intéresse à toi. Avant, on disait que les abouchous n'étaient pas des belles femmes. Maintenant, pour avoir un abouchou, tu fais comme ça. Ah oui! Mais il y a les abouchous qui nous dérangent encore avec les odeurs corporelles là. Il faut savoir. Et puis quand vous vous lavez, ne vous lavez pas en 10, 30, en 20 minutes. Tu ne t'es pas lavé. Les abouchous doivent prendre le temps pour se laver. Quand tu commences à... Tu soulèves d'abord, puisqu'on a les dos d'âne. Moi-même, j'en ai. Et moi, je prends souvent le temps pour me laver. Donc, je soulève d'abord one dos d'âne. Je finis de frotter. Je soulève encore l'autre dos d'âne. Je finis de frotter. Je reviens au niveau du ventre ici. Je soulève le premier ventre. Je frotte. Je soulève l'autre. Je frotte. Je prends l'eau. Je me rince. Je recommence. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu finis de nettoyer tous tes dos d'âne partout au corps. Quand toi-même, tu pars te oindre. Tu prends ton petit parfum, tu t'habilles, tu sors. Toi-même, tu te sens dans ta peau. Ce n'est pas que tu marches là, tu es la soeur ou de l'autre côté là-bas. C'est toi qui ne t'en laisse ici. C'est les odeurs qui sont. Si tu portes alors la bille blanche, là-bas, en bas, on veut seulement. C'est-à-dire, la personne avec qui, si tu es parti rendre visite ou alors tu es parti pour un rendez-vous, la personne te dit que non, on vient de m'appeler tout à l'heure. Tu vas te demander qu'à peine j'arrive, il dit à qui part. C'est parce qu'il a honte. Donc, les abouchous là. Les femmes rondes là, enlevez-moi la honte au con. Parce que quand on vous voit comme ça, on dit que moi-même aussi je suis comme ça. Il faut m'enlever dans ça. Veuillez me fâcher. Je vous aime. Bye bye.